بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Benfrek, bien sûr, tout d'abord, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, qui les PPM est nous pour nous respirer. Allah PPM est nous pour nous respirer quand Allah subhanahu wa ta'ala, comme vous pouvez remarquer, il finit écrit à Ajal, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, il finit décider qu'il y a beaucoup de monde, petit dunya, puis aller. Alors, au moment que Allah subhanahu wa ta'ala, il est tout seul, qui peut donner nous sa délai, parce que la mort, c'est une réalité. Et une réalité qui Allah peut dire avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. » Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il peut dire avec Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, « Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. »« Thumma innakum yawm al-qiyamati inda rabbikum takhtasimun. » Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il dit avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, « Innaka mayyit, tu aussi tu n'as pas mort, wa innahum mayyitun, et ben là aussi tu n'as pas mort. » Et dans l'autre Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Afa immitta fa humul khalidun, si toi tu n'as pas mort, est-ce qu'il ben là pour être éternel ?» Alors ça c'est réalité qui nous tue n'a pas mort. Là-dedans, l'intelligent, c'est celui qui choisit comment lire les mots. L'intelligent c'est qui? C'est celui qui lui choisit comment lire les mots et lui demande et lui travaille. Lui travaille pour les mots, sa qualité et l'amour là et lui demande doa avec Allah pour donner sa qualité et l'amour là. Par exemple, un djinn qui est content qui a besoin Allah subhanahu parce que le mort c'est le liqa avec Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour c'est un djinn qui a besoin avec Rabbul Alamin jalla jalaluhu. Alors au moment un djinn, mon déjà fait une explication, je ne peux pas penser dans mes djinns, mon cas va applaudir, je te carré écoute lui, c'est comment on vit mots. Alors, Enjimoun, par exemple, il a envie mot dans Sijida. Enjimoun, il a envie mot comment? Dans Sijida. Quand il a envie mot dans Sijida, ça veut dire qu'il a besoin de travail pour ça. Ça veut dire que ça, Enjimoun, là, il fait des efforts pour qu'il fasse Sijida à chaque fois qu'il a donné l'occasion. En même temps, il supplie Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu. Il supplie Allah pourquoi? Pour qu'il donne le tawfiq. Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq pour les mots dans Sijida. L'amour est une plus grande réalité qui dans le futur qui nous connaît, ça plie, parmi les plus grandes réalités qui futur qui nous connaît, c'est nous tous et nous mort. C'est nous tous et nous mort. C'est une plus grande réalité qui futur et nous tous connaît. Seulement la différence, c'est comment nous vivons mort. La différence, c'est quoi? C'est comment nous vivons mort. Comment nous vivons mort. Comment nous vivons mort. Nous vivons mort. Nous pouvons faire djihad, fi sabilillah. Nous vivons mort. Nous pouvons faire sijida, nous en vimos, nous faisons faire stirfar, tauba, nous pouvons dormi, nous lia l'illahi ma fi samawat, nous lia kul ya yuhal kafirun, nous lia ayatul kursi, nous lia kul huwa Allah wahad, nous lia kul awad falak, nous lia kul awad bin nas, nous lia tabarak alladhi, nous lia Allahumma anta rabbi sayyidul istighfar, anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani, ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata. Nous finissons tout ça là après nous le mot, comment nous en vimos? Dans ce moment, nous allons dormir, nous ne pouvons pas rêver. Beaucoup de gens qui ont dormi ne peuvent pas relever. Mais dépend de qui halat dans le dormi et ensuite ils ne peuvent pas relever.
Aldomi pas relevé, c'est pas une bonne nouvelle ça. Il y a une bonne nouvelle au moment ça insan là, l'in fait tawba, l'in fait istighfar, l'in fait salat al-isha en jamaat, l'in kozik son maman, l'in occupe son maman, l'in occupe ses enfants, l'in occupe son madame, quand il peut aldomi, l'in purifier ce léqué avec rancune contre musulman. Azodi zou lo saha veut dire le fil de dawa. Dans fil de dawa de nos jours, ben du monde vient comme ben défenseur de la communauté. C'est moi qui viens défenseur de la communauté quand il attaque tout du monde. Et une fois qu'ils ont riposté ben l'attaque qu'ils ont fait, l'eau la masse musulmane à la singulière aucune vient en tout. Par exemple, ben du monde vient les dire en public, les dire tout masjid il prend 200 000 roupies pour élection passée. Par exemple, un exemple on peut dire. Et t'as où répondre ça? C'est un coup là où qui vient d'entrer, mais ça l'attaque qui nous fait l'eau musulmane. Ça montre qu'un dimoun se l'équire, il y a tranquillité, il n'y a pas aucune rancune, jalousie, ni rancune contre musulmane. Ça montre ça, un dimoun qui dit sa qualité causée là, et sans fondation, hein, sans fondation. Alors, ça musulmane, l'ambo, mauvais cause l'ambo, c'est une réalité. Qu'on nous nafsine d'ailleurs tout le monde. Thumma ilayna turja'un, Allah peut dire. Il est naturellement je retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala et ça ce leçon ben frère des affaires et moi aussi moi des affaires en détail je te garantis le YouTube je vous trouve al iman bil yawm al akhir amin iman le yawm al akhir et mon pensée mon arrive jusqu'à la balance que nous archons rentre de la balance et inchallah mon fin zefo pour terminer sa leçon là inchallah là la conscience c'est qui nous peut vivre dans saison l'amour mon frère. Je connais qui veut dire ça, nous pouvons vivre dans la saison l'amour. C'est-à-dire que personne ne connaît qui est capable d'arriver. Là, l'amour peut causer avec eux, mais on ne connaît pas qui est capable d'arriver. Je me disais hier, dans Masjid al-Wadi, dans mon Jumma, qui est capable, dernière fois, de faire khutba hier, et dernière fois, mon frère, il a assisté Jumma hier. Aujourd'hui, nous allons dire, là, capable, c'est dernière fois, nous faire soit tout le Isha, c'est dernière fois, qu'Allah peut permettre moi, puis de moi, l'occasion pour moi, expliquer din. Allah subhanahu wa ta'ala, ce dit le Coran et dans Sunna. Et d'après, qui m'a ulama expliqué. Par rapport à nos propres la tête, nous prenons l'ayat Coran, nous disons innama yuridu shaytan yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghda. Nous pouvons faire comme si le maïsir, nous tirons ça pour faire comme si le maïsir là. Nous faisons comme si tirer, un djimoun peut venir mettre la guerre en défrayant ça. Non, l'ayat Coran là, nous pouvons innama yuridu shaytan yuqi'a baynakum al-adawata wal-baghda fil khamri wal-maïsir. Nous pouvons prendre la matière l'ayat Coran, nous venons expliquer djimoun dans ce qui nous voulait et nous nafs voulait et nous fait djimoun bien l'impression qu'il nous peut expliquer Coran. Mon frère, là, il arrive un moment, nous arrêtons de badiner dans la vie. Ça, c'est bon qu'il y a la paix de nous à ce terre-là. Quand je peux écouter, moi, là, à ce terre-là, ça, c'est bon, saisis Rahmat Allah, nous. À ce terre-là, en Zodi, et que semaine passée, d'après mon chiffre, 150 musulmans en Inmo, qui, les tchipouina tamana, les tchipouina l'envie. Ça l'envie, si tu as fait requête avec Allah, donne-lui une occasion, dis lire Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani, ana abduka, wa ana ala ahdika, wa wa'dika mastata'at, abu laka bi ni'matika alayya, abu laka bi dhanbi, faghfirli, maghfirata mindik, la yaghfiru dhunuba illa anta. Les chipouina tamanna, les chikapa liya sa dua la, et Rasul sallam dit, ça c'est Sayyidul Istighfar, c'est le chef, le maître, dans façon de mon istighfar avec Allah subhanahu wa ta'ala jala jalaluhu. Rasul sallam dit at-ta'ibu min adh-dhanbi kama la dhanba la. C'est une bonne nouvelle que le Rasul veut nous là. Un djibun qui fait tauba de ce man péché, il est comme si dirait pas péché du tout. Rasul sallam dit Allahu afrahu bi taubati 'abdi wa kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, qui Allah subhanahu wa ta'ala jala jalaluhu, il est très joyeux quand ce serviteur fait tauba. Qui qualité ça va faire? Quelle qualité! Alors, chaque seconde, c'est une occasion, première affaire pour reconnaître nos créateurs, reconnaître que c'est un créneau, mon frère. Comment créer Adam alayhi salam? Comment créer insan? Si les scientifiques croient que c'est le développement théorie de Darwin, mais il y a trop beaucoup de logique qui casse cette théorie-là, qui oblige un créateur qui fait créer tout quelque chose. C'est Allah subhanahu wa ta'ala et en arabe Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. D'accord? Deuxième réalité, c'est
qui fait Alain Créneau? Qui fait Alain Créneau? Allah fait un créneau. Dis-moi qui fait Alain Créneau? Alain Créneau. Pour nous grandir, nous marier, nous gagner des enfants, nous grandir autres, nous montrer les autres, ça Alain Créneau pour ça. Ça, c'est ben, après ça, mutatallabat ou le haya, c'est ben réquisite pour nous vivre en tant qu'un humain. Un humain, il a besoin de la case, un humain, il a besoin de manger, un humain, il a besoin de la famille, il a besoin de la société, il a besoin d'un pays, il a besoin de voyager, il a besoin de travail. Ça, c'est pas sa raison là qu'Alain met nous dans Dunia. Alain met nous dans Dunia pour une raison. Pour une raison. Et Alain crée l'échelle avec la terre pour une raison. Nous ne pouvons pas faire un crédit comme ça même sans aucune raison. Ça, c'est la façon de penser d'un non-croyant sur le Créateur unique qui dit penser qu'Alain crée l'échelle avec la terre comme ça. Il n'y a pas de raison pour faire un crédit avec la terre. Non. À cette campagne, il y a une raison de créer l'échelle avec la terre. Vous voyez ce qu'il fait? Pour qui? Qui pour faire? Pour vivre dans sa la terre, dans sa l'échelle là, pour faire l'obéissance à Allah. Ça, c'est la raison qu'il crée l'échelle de la terre. Allah dit, et il met dans disposition insan, gratis, gratis, l'échelle de la terre, le soleil, la lune, la mer, les bateaux, la pluie, les rivières, le soleil, la lune, comment on peut dire, tout ce qu'il y a dans l'échelle de la terre. Allah met dans Allah sakhara lakum ma fi samawati ma fi l'ard. Allah met dans une disposition, ô toi humain, Allah le créateur unique qui fait créer tout, qui chose, il met dans ta disposition tout ce qu'il y a dans l'échelle de la terre. Wa asbagha alaykum ni'amahu zahiratan wa batina. Et Allah dit dans sur Luqman, il fait une DVS l'eau toi. Qui est une DVS l'eau toi? Qui est une DVS l'eau toi? Hein? Ni'amahu souman faveur. Zahiratan wa batina. Souvent, faveur visible et invisible. Astéla, là, Azodi, là, mon Dieu, mon frère, pour un début vendredi passé jusqu'à Azodi, plus qui 150 000 mots, musulmans. Moi, pas qu'on est combien de non-musulmans, on divise pareil, presque, in mots. Comme on a, on est qui veut dire ça? Moi, nous autres, un mot facile pour comprendre qui veut dire l'amour. Pence down. L'amour est égal à pence down. Pence down veut dire on n'est pas capable de continuer rempli de pages de bonnes actions finies. Fini. Astéa, vous connaissez qui arrive à Astéa? Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Waman ya'mal mithqala dharratin sharran yara. C'est lui qui ne fait un atome du bien. Il peut trouver lui contre Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est lui qui lit, il fait un atome le mal. Il peut trouver lui contre Allah subhanahu wa ta'ala. Jalla jalaluhu. Yawma idhin tu'raduna la takhfa minkum khafiya. Quand nous vous présentons devant Allah, peinant n'en est pas capable d'être caché devant Allah subhanahu wa ta'ala. Sa raison nous peut causer, sa raison nous peut dire, sa parole nous peut tirer. Qui fait nous peut tirer sa parole là? Qui fait nous peut causer comme ça? Qui raison nous peut causer comme ça? Qui l'intention nous peut causer comme ça? Qui saute si caché de sa lèque là? Qui quand c'est rancune tiens là? Qui quand c'est jalousie? Qui quand c'est la soif du pouvoir tiens là-dedans? Qui quand c'est trahison tu remplis avec sa lèque là? Quand elle fait un dealing en bas la table avec un ennemi Allah subhanahu wa ta'ala, un grand pays et un individu de nos communautés, il y a l'assise l'eau, la table avec man l'ennemi Allah pour y aller faire des lignes. Qui man pays dans le monde musulman et qui man individu dans la communauté Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ensuite, nous voulons venir comme sauveur de la communauté, en même temps, nous avons envie de quitter leader de la communauté. Comment Allah pour donner ça? Alors, man frère, pens down. Imagine ça, mot là, très facile. Pens down veut dire. Molamo in arrivé, action in termini. Right. Alors, à ce moment-là, la ben, réalité pour apparaître. À ce stade-là, moi, je peux dire mon frère, mon soeur, je peux dire ça avec moi, la famille, mon élève, mon camarade, mon voisin, mon famille, mon tcha-tcha, tchati, je peux dire tout mon musulman et non musulman, assisé, réfléchi, raison de l'existence. Et si tu n'as pas connu qui fait, le créateur crée toi, à lire le Coran, au non musulman, tu trouves la raison de toute l'existence. C'est pour ador, pour établir adoration. C'est pour créateur qui crée tout quelque chose. Et ça, sa conception, ce n'est pas une conception arabe, ce n'est pas une conception de l'Arabie Saoudite, ce n'est pas une conception Pakistan, ce n'est pas une conception Turquie, c'est une conception célestielle qui se retient contre le créateur, contre les films mis dans le Coran, le livre sacré qui finirait intact depuis sa révélation jusqu'à aujourd'hui, contre l'Adam, il dit dans chapitre 51, verset 56, « Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun » C'est créateur qui décide qui nous raison l'existence, c'est établir adoration pour créateur. Ça, c'est raison de créer nous.
et il crée tout ça qui est autour de nous là pour nous servir, pour nous réaliser raison sur l'existence. Alors, qui m'a dit mon frère? At-Tawba. Écoute, Jumma hier, alors, ce n'est pas punition qui nous peut vivre, d'après moi, mon jugement sur les événements. Ce n'est pas nous peut vivre punition, nous peut vivre l'événement de coup de rotin. Là, en ce moment, nous pas peut vivre l'événement de punition, nous peut vivre l'étape expliquée dans le Coran qui nous appelle, moi, je m'appelle coup de rotin, c'est nous gagner coup de rotin, moi, appelle ça la Allahum yarji'un, afin qu'ils se retournent vers Allah. Là, nous devons à l'étape là. Et si, c'est l'occasion qu'Allah peut donner nous, musulmans, fais tawba, retourne l'osimi, ton prophète, non musulmans, retourne vers le Créateur unique, vers le dernier messager qui Allah a envoyé envers l'humanité. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Allah dit dans sur Luqman, il y a plusieurs places dans le Coran. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ أَوْ مُحَمَّدٍ نُبَا فِنَا أَنْوَيْتُ إِلَّا أَكْثَرَ كَافَةً لِلنَّاسِ, pour toute l'humanité en entière. بَشِيرًا وَنَذِيرًا, donne bonne nouvelle et donne avertissement. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ, mais la plupart des gens ne savent pas. Vous voyez, il fait de savoir parce que toi, musulman, toi, te tracas, c'est ton business, te tracas, c'est ta vie, te tracas, c'est improve ton standard of living. Si te tracas, tu sois message de prophète, tout ça, man, collègue non musulman, voisin non musulman, compatriote non musulman, tu peux recevoir le message et maintenant tu peux être sauvé avec coller Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalla. Mais au moment, toi, musulman, toi-même, ton pied dissimé, toi-même, ton pied dans pétrin, comment tu peux sauver les autres? Alors, mon frère, mon soeur et mon compatriote mauricien, mauricienne, mon petit des autres, retourne vers le Créateur qui vient créer nous. L'islam, ce n'est pas propriété des musulmans. L'islam, ce n'est pas propriété de l'Arabie Saoudite, comme on dit, ni la Turquie, ni Pakistan, ni Bangladesh, ni Indonésie, ni Malaisie, ni aucun pays musulman. L'islam, c'est un mode de vie qui compatible à nature humaine qui fin descendre depuis le ciel, depuis côté créateur, afin que l'insan, l'humain, l'homme vive dans bonne façon, dans l'obéissance, dans discipline, dans l'engagement, l'obéissance créateur et ce dernier messager, et qui dans l'au-delà, les recevoir sa même récompense là, n'a pas pensé que quand nous mourons, fini comme ça même, ça veut dire finan fil là, enterré, fini, ici repose. Non, au moment où nous mourons, c'est nous peut sens le monde, nous peut rendre dans le monde qui de transition entre le jour du jugement, entre cet monde et un monde de transition, que tout le monde peut mourir, chacun se tourne, nous pial dans un monde de transition qui nous appelle les barzakh, c'est-à-dire c'est un monde entre dunia avec akhira, l'au-delà, quand jour jugement, tout le monde peut sortir pour rendre compte devant Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. D'accord? Coup de rotin, moi les dire que le Créateur campait de nous, ça va un test qui nous peut traverser là, afin qu'il nous réfléchisse raison de l'existence, nous réfléchisse nos paroles, nos croyances, nos actions, nos transactions, et nous retourne vers la façon divine qui vient être enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le dernier messager qui vient être envoyé vers toute l'humanité en entière, et nous pas pour une encore messager. C'est-à-dire le coup de rotin qui, moi, m'appelle le coup de rotin, moi, peut dire, nous capables de rendre dans l'autre stage qui est mentionné dans le Coran, c'est les stages de punition. Allah décide pour détruire Maurice. On expliquait hier dans Jumma, vendredi, je demande à mon frère, ma soeur, pour écouter sa explication hier. Alors là, mon pédiman qui nous fait tawba, nous retourne vers le Créateur, nous demande à Allah subhanahu wa ta'ala dua qu'il n'est pas de nous et qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide nous vers le chemin de son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne nous tawfiq pour nous soyer message, nous rasoul sallallahu alayhi wa sallam, personne pas propriétaire. Personne pas propriétaire message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne pas pénal la clé qui lili représente messager de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Un Rasoul ou Rasoulillah, non pénal Rasoul ou Rasoulillah, c'est tout Atba Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mon pas messager, moi, mon pas venu me dire, moi, me représente mon messager du prophète. Non.
messager, messager du prophète, c'est tout man suivi de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Suivi de nous l'apparence, suivi de nos croyances, suivi de nos aqidah, suivi de nos objectifs, suivi de nos caractères, suivi de nos intentions, suivi de nos ibadats, suivi de nos transactions, suivi de nos caractères. Nous suivons Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et tout man suivi Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, zot responsable message Rasoulullah sallallahu alayhi wa sallam pour nous soyer. Le Coran dit قل هذه سبيلي سورة 12 أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني m'invite vers Allah moi et ban qui suivent si un dimoun ni déclaré dans 2021 qu'il lui représente message bien messager de messager de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam ça veut dire l'hyperodia qui personne pas peut suivre Rasoul sallallahu alayhi wa sallam les tout seul peut suivre pena personne qui propriétaire à l'islam et pena personne qui propriétaire à la vérité pena personne qui propriétaire message l'islam. Il est ouvert à toute l'humanité en entier. Allah dit, Ya ayyuhan nas, premier lot qui Allah a adressé, premier commandement du Coran, Allah adresse pas avec Manjimoun qui n'a iman, il adresse avec l'humanité en entier. Quand il dit, Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqoon. Allah dit, oh les gens, oh l'humanité, ubudu rabbakum, établir adoration pour ce Rab qui fin créer eux. Right? Alors nous demandons avec Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu qu'il y fait nous une parmi man suivi de Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam et au moment où nous suivi de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous responsables pour inviter d'imoun vers din Allah subhanahu wa ta'ala qui musulman ou bien non musulman musulman pour y faire tawba, les repentir, les retourner vers Allah et non musulman pour y accepter l'islam sous nubouat de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et personne par propriété à la vérité, personne pénal la clé jannat, personne pénal la clé message de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, n'importe qui s'en a les sentis, les lingues, une connaissance, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, balliru anni wa law aya, hadith dans Sahih al-Bukhari, les dit transmettre de moi même un seul verset, c'est moi pas transmettre quelque chose qui passe aussi dans le Coran et dans le Sunna, transmettre ce qui sort dans le Coran et dans le Sunna, après qu'il nous finit apprendre, et nous pas juger exactement, nous pas dire que nous tous seuls nous préférons da'wa vers Allah subhanahu wa ta'ala, ben les autres préfèrent da'wa vers Shaitan. Nous pas venir dire ça. Ça c'est un jugement. Ça qui appelle jugement. Seulement, quand un djimoun est aveuglé, je ne pas trouver. Quand djimoun est aveuglé, il ne pas trouver. Quand djimoun pas aveuglé, il trouve tout djimoun préféré, excepté son professeur pas faire, son amir pas faire, son djamat pas faire, son pays pas faire. À part ça, tout djimoun faire. Quand djimoun est fini aveuglé, quand djimoun est juste, il évalue ben quelque chose d'après Coran, d'après Sunna. Mon frère, at-tawba, retourne vers Allah. Numéro un, quand retourne vers Allah, il y a des affaires importantes. Retourne vers Allah, établir ibadat pour Allah. Retourne vers Allah, important. Je connais qui est important? Les limites d'Allah. Ben, un djimoun, il peut faire tawba, il prend son madame qui découvert. Madame l'a découvert déjà, il n'est pas fini couvert, d'après Sharia, d'après l'enseignement Coran avec Sunna, il prend, il mettait en public cette fois-ci. Déjà, il y a un ishka, il y a une place publique. L'Ipan habili d'après l'habillement qui dit divine, l'habillement divin décidé par créateur de Coran et expliqué dans Sunna par Rasoul sallallahu alayhi wa sallam. En plus de ça, il prend l'île et met en public à dire ce tifi, ce madame, ce sire, ce maman. Déjà, je ne suis pas habillé d'après l'habillement prescrit par le Coran, pas par l'Arabie Saoudite, pas par Asraf Djanou, pas par Amir, pas par Maulana, pas par Moufti, prescrit dans le Coran directement. Allez, nous avons une faiblesse. Et madame, il y a une faiblesse qui fait. Il y a une faiblesse, il manque, il n'est pas réussi à mettre en pratique ça, l'habillement là. Puis il n'y a aucun problème. À ce moment-là, il m'a mis en public. Il m'a fait tout le monde guetter. Il m'a publicisé mon péché. Qui a besoin de publiciser Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu mu'afa illa al-mujahirun. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit Kullu mu'afa illa al-mujahirun. Qui était mujahirun? Allah caché de son péché, il prend son péché et met en public. Ça s'appelle ça mujahirun. Qui veut dire Mujahiroun? Allah veut dire tout le monde qui fait péché, il est pardonné. Il est le Mujahiroun, c'est lui qui publicise ce péché. Alors, numéro 1, Tawba. Numéro 2, respect, man limite Allah, halal, haram. Numéro 3, pas publicise nous, man péché. Nous tous pécheurs, c'est qui peut causer ou là là. Fait qu'on moi ici, mon péché, dépend qui qualité péché, mais moi, il a péché. 100%, j'ai besoin de connaître qui ça dit, moun qui dit, moun divan zot l'omimbar là, n'importe qui s'en là qui était après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a péché. Après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Anbiya alayhi wa sallam,
N'importe qui s'en a qui monte dans le mimbar, il y en a péché. Niveau péché, c'est l'autre affaire. Mais il y en a péché. N'importe qui s'en a. Il faut dépendre du monde qui fait taqdis, ça veut dire qui sanctifie, comme on peut causer là. Jamais on peut penser ça va là, c'est un top, ça nous paye un top, top. C'est at-taqwa indallahi azza wa jal. In akramakum indallahi atqakum. C'est lui qui plie pied, il n'a plie beaucoup, plie honoré dans darbar Allah, dans chemin, dans lisier Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui n'a plie beaucoup de taqwa. Et si nous avons compris combien de taqwa nous avons, nous avons la vie Rasul sallallahu alayhi wa sallam, nous avons sahaba, nous avons Coran, nous pouvons comprendre qui est taqwa nous avons. Alors numéro 3, c'est cacher nos péchés. Numéro 4, c'est si dans ce péché-là, il inclut une seconde partie, nous visons à retourner ce droit. Ça, 4 steps-là. Mon frère et mon soeur, avant trop tard, moi, mon analyse, qui nous ont un stage de Tauba, Allah peut donner nos coups de rotin, peut donner nous un test pour nous retourner vers Allah. Et plusieurs ayats Coran, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ مُنَ نُوتْ قَايَةَ الْقُرْآنِ سَتْرَا pour le moment de nous لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ veut dire afin qu'ils se retournent vers Allah. C'est lui qui ne prend droit qui qu'un, c'est lui qui peut faire zulm le se travailler, c'est lui qui peut faire zulm le se voisin, peut prendre saleté puis se côté son voisin. C'est lui qui ne coquin la terre, il ne rentre dans la terre son camarade, c'est lui qui ne prend la terre son frère, c'est lui qui prend la terre. Aljiman pardon, fait au bastefar. Un rappel important avant m'oublier, mon Dieu, mon frère qui est malade et qui est conscient, je ne pas inconscient, faire un effort, faire 5 fois salat, dans n'importe qui l'air, dans n'importe qui halat, qui est dit. Moi, j'ai remarqué que beaucoup de frères qui sont multisimes au salat, c'est-à-dire, je ne dis pas qui je fais 5 fois salat, quand je suis malade, je ne pas connaître qui bizarre continue à faire salat. Un frère dit à moi, mais mon papa a fait oiseau. Un autre frère dit à moi, dans mon linge, il y a mal propre, il dit, papa, il comprend. Qui même dans n'importe qui halat qui nous était, soit là obligé de faire le soleil. Alors, il nous a fait très important, pour Inch'Allah, si demain, il a fait une petite vidéo, juste pour mon frère, mon soeur qui est malade, qui dans sa état là, pas qu'il soit là. Pas qu'il tauba, pas qu'il istighfar, pas qu'il la ilaha l'anta subhanak inni kuntum nadhalimin, pas qu'il astaghfirullah, astaghfirullah, pas qu'il la ilaha illallah, afdalu dhikr. Paquit la hawla wa la quwwata illa billah. Paquit Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Paquit ça. Paquit ça. Et surtout comme on dit, si je te connais, qui tient ce droit, je ne prends fais effort pour faire ça, tu connais, retourne ça droit là, retourne ça haq là, et ça appelle ça tauba. Et nous espérons que Allah subhanahu wa ta'ala nous fait droit avec Allah, nous supplie Allah qu'il enlève sa bala là, la continuité, situation infinie, sorti 100% out of control, peine à contrôle. C'est-à-dire là où on peut causer avec un démon, il est malade, alors là, nous obligés de retourner vers Allah, c'est vers les ciels qui nous a retourné vers Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, et nous fait tawba, et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam injiak, الله سبحانه وتعالى في جد القرآن ومن جاي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون الله سبحانه شو بابو تومبي aussi longtemps qu'il nous peut faire استغفار avec tauba. C'est pour ça que me dire là nous pas encore rentre dans l'étape de punition, mais si arrivé nous ban musulmans et ban non musulmans, nous pas retourne vers le créateur, nous pas retourne vers Allah, nous pas retourne vers l'islam, nous pas soumettre devant la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous pourrons rendre un nouveau stage qui nous mentionne dans le Coran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا la surah 6 comme on a cité il y a des jumma إِلَىٰ أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ, afin que vous retourniez, afin que vous soumettez à Allah, vous faites ibadat pour Allah. فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dans place qui quand nous gagnons test nous faisons tauba, nous retournons vers Allah, mais du monde vous êtes les qui avaient plus dur. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ كَمَا لَا, pas peu prend compte, ben rappel qu'il y a l'un de nous autres, فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ
أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Allô, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala dua qui ya Rabbal Alamin, Allahumma arfa'i al-bala, Allahumma arfa'i al-bala an ummati nabika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma arfa'i al-bala an ummati nabika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma innaka antal qawi wa nahnu al-du'afa, Allahumma antal ghani wa nahnu al-fuqara, Allahumma naftaqiru ilayk, Allahumma nastaghfiruka wa natubu ilayk ya Rabbal Alamin, Allahumma ya jabbar ya qawiyu ya matin. يا رب العالمين آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بن فرق بن سؤال. Nous laissons le ban caractéristique de ban munafiqin et par l'ordre Allah zis par l'ordre Allah et par sa faveur, par sa rahmat nous termine tout ban qualité munafiqin qui est mentionné dans le Coran à peu près 72 si vous pas fait erreur et nous commence ban sifat de ban munafiqin qui est mentionné dans sunna de nos rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Et nous finissons trouver dans les sons le 13 de la semaine dernière partie de la leçon qui nous prend des hadiths en de Bukhari dans Muslim. Quand nous mettons ça des hadiths là ensemble, nous gagnons 5 qualités devant le munafiqin qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam finit mentionné. Et nous finissons expliquer deux là-dedans. Nous finissons expliquer wa idha hadatha kadhab, quand il cause menti. Quand il cause, qu'il fait cause menti. Parce que la caractéristique principale devant le munafiqin qui était. Les munafiqin qui rejettent l'islam de cette lecture, ils ont accepté l'islam devant Dimoun. Qui est la caractéristique principale? Il a dit que les munafiqin ont dit نشهدوا إنك لرسول الله والله يعلم إنك رسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Alors, dans cet ayat Coran, peut montrer que les munafiqin, grand nifaq, veut dire que les munafiqin rejettent l'iman de cette lecture, qui ont fait? Ils ont cause menti dans la présence de cette iman. Alors, un dimoun qui cause menti, il ressemblait à un monafique. Là, c'est moi, il n'est pas un monafique. Pas oublier sa explication. Alors, quand un dimoun, musulman qui est un iman, il fait une bonne action sur l'iman monté, mais quand il cause menti, quand il casse sa promesse, musulman là, qui n'est pas un reset iman de celui qui est un iman de celui qui est, mais seulement, il cause menti, il casse promesse, quand il fait confiance, il fait trahison, et quand il discute, il explose. Alors, quand il y a cette qualité-là, et quand il donne lui amanette, il fait trahison, et quand il fait contrat, il casse ce contrat, ça cinq qualités-là, si nous avons ça dans nous, ça veut dire que nous devons demander à Allah pardon, et nous faire dua que Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, les purifie nous. Et ça cinq qualités-là, on explique en détail le 6 novembre sur le mensonge, et on explique en détail par l'ordre Allah le 13 novembre sur c'est lui qui nous donne un amanette. Les fait trahison via sa amanat là. Right. Et aujourd'hui, nous pouvons expliquer c'est lui qui lui fait un contrat. Il a ahada, radar. Il casse ce contrat. Right. Qui lui fait? Il casse ce contrat. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, il finit dire dans surah. Dans sourate Yasin. Alam ahad ilaykum ya bani Adam an la ta'budu ash-shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu li pejia zu qiyama li pujia insan ya bani Adam alam ahad ilaykum ya bani Adam an la ta'budu ash-shaytan yani la tuti'u ash-shaytan la ta'budu ash-shaytan veut dire la tuti'u ash-shaytan pas obéir shaytan. Qu'il dit? Pas obéir à Shaitan. Mais est-ce que Shaitan vient devant nous, lui? Shaitan vient devant nous, lui, quand il peut faire ce waswasa pour lui désobéir à Allah, il vient devant nous? Non. Numéro 2. Est-ce que Shaitan dit, il y a un pouvoir sur nous? Manjimoun qui n'a iman? Shaitan, il y a un pouvoir sur Manjimoun qui n'a iman? إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون سورة 16 الله بجاك الشيطان لبينا بوفولي لوجمون الله سبحانه وتعالى جل جلاله لبيجي دان
dans sourate Ibrahim, wa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amr inna Allaha wa'adakum wa'ada al-haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ça c'est le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala dit la sourate aussi dans sourate As-Saba, wa laqad saddaqa 'alayhim iblis dhannahu fattaba'uhu illa fariqan min al-mu'minin. إلا فريق من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala bien enseigne nous, les pédiens, shaitan, pédiens, wa qala shaitanu lamma qudir am zu qiyama. Quand on met shaitan, nous pédiens shaitan ça. Shaitan qui égale moi, shaitan pédiens. Qui les pédiens? وقال الشيطان لما قل ان الله وعدكم وعد الحق الله promet zut vrai promet ce qui est vrai wa wa'adtukum aussi moi je fais promesse avec zut fa akhlaftukum wa wa'ad wa ma kana li wa qala الشيطان لما قل ان الله وعدكم وعد الحق wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa fin kasmo promesse shaitan peut dire Allah promet zut ce promesse vrai. Moi, mon promesse, mon casse, mon promesse, mon embête, mon maïaïd, mon chétan, il a gourou. Al chétan se promesse pour dévier insan avec Allah subhanahu wa ta'ala, la surah An-Nisa. Aïta. Mais t'en arrives, Zou, Kiyama, c'est-à-dire, manjiboun pour dire chétan. Manjiboun pour dire Mouamir. Mouamir qui n'est pas moi. Manjiboun pour dire mon prêtre qui n'est pas moi. Manjiboun pour dire mon maulana qui n'est pas moi. Manjiboun pour dire mon da'i qui n'est pas moi. Bana pou dire mon mufti nega moi, bana pou dire bandi mon politicien nega moi, le tala pou dire kasi nega moi, tout ce que je pou dire là, sur qiyama, Allah subhanahu wa ta'ala puis enseigne le Coran, excuse qui nous pour une seule réponse. N'importe qui excuse qui insan pour servir, pour lui montrer qui fait elle désobéir à l'autre Allah, et une seule réponse de Coran que nous pour présente nous excuse. Qui réponse pour gagner inshallah ça vendredi là de Jumma mon poste fixe inshallah ida ahyan Allah si Allah garde nous vivants parce qu'il cavale dormi nous pas rêver. C'est pour ça qu'il cavale dormi nous dit bismika allahumma amutu ahya. C'est pour ça qu'il nous lit tout ça en azkar là parce qu'il nous cavale pas lever, d'accord. Un mu'min il vit comme ça, un mu'min quand il dormi avec sa conscience là qu'il est capable Allah pas retourne son roux. Allah yatawaffa sura Zumar, Allah yatawaffa al-anfus hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-mauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika ayatin liqaumin yatafakkarun. Allah subhanahu wa ta'ala bijala sura Zumar, Allah yatawaffa al-anfus hina mawtaha wallati lam tamut fi manamiha. Allah subhanahu wa ta'ala prend ban nafs ban ruh d'un moment qui n'arrive je dire pour moi ou bien que je dormi. C'est lui qui dit n'arrive se lire pour les mots, Allah paraît tout sur nous, et c'est lui qui n'arrive sur lui. Pas encore arrive sur lui, Allah retourne sur nous. Là, le Rasoul Sassam qui montre nous pour dire, quand nous levons, quand nous disons, Alhamdulillah, il a dit, radda ilayya, Alhamdulillah, il a dit, radda ilayya, rouhi ila jasadi. Tout est l'eau, c'est que merci moi pour Allah, c'est lui qui retourne mon rouh, mon âme, dans mon écho. Ça saisit Allah, subhanahu wa ta'ala, son raham, son karam, son générosité. Ce fazel, ce faveur, ce raham, ce rahmat, ce miséricorde, l'onou, zis Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Alors, un musulman, il vit avec sa conscience là, quand grand matin, il dit comment il remercie Allah, pour lire sa ban adhkar là, pour faire wazou, pour al-masjid, faire namaz fajar. Il y a même qui va manier, shaitan qui n'a tassé qu'on a le domine l'orgue. Mais s'il n'est pas l'orgue, il dit trois années, on dit mais trois années, un dimoun, pendant un ban année, il n'a pas fait namaz du tout, fajar. Combien il reste sur la tête? 365 par 3. 900, 1080, 1095 différents. 365 par 3 fait 1095 nids. Alors, c'est ça, 1095 nids qui est dans la tête de ce musulman là. Quand il vient de Jumma, une fois par semaine, il faisait 400 nids là. On dit, comment on casse ça? Un nid là, deuxième problème, il y a un problème plus grave encore que Shaitan, il rit de ses oreilles. S'il n'y pas de lever, il n'y pas de faire adhkar, il n'y pas de faire ce soir-là. Shaitan, il urine de ses oreilles un jour, il urine de ses oreilles deux jours, il urine de ses oreilles trois jours, 365 jours. Shaitan, il urine de ses oreilles. WC of Devil. Zoreille, il urine WC of Devil. Oui. Mais tu as expliqué par Rasoul Sallam qui ne peut pas lever, ça veut dire Shaitan, il urine de ses oreilles.
ou pas faire azkar, ou pas faire salat, ou pas dormir, ou pas lire, ou pas debout pour pouvoir faire salat al-fajr. Trois années pour rester trois années. Quand il est vert, lorsqu'il est vert, comme un paresseux. D'accord. Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, li dit dans surah Yasin, Alam ahad ilaykum. Est-ce qu'il ne faut pas faire un contrat avec eux? Pas faire un pacte. Qui pacte ça? Qui pacte? Qui pacte? Je connais qui pacte ça? Ça n'a qu'à dire moi qui pacte, qui Allah fait avec nous. Pacte là, après ça, ayatul mithaq dans surah Araf. Après ça, qui dit le verset du pacte, le verset du contrat. Quand Allah fait un contrat avec Bani Adam dans sourate Araf, Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dhuhrihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum? Qalu bala shahidna an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin." Alors Allah subhanahu wa ta'ala quand il finit créer tous les enfants Adam alayhi salam, pendant début Adam alayhi salam jusqu'à dernier insan. Tout il met devant lui. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ Et il fait nous témoigner est-ce qu'Allah, ce n'est pas notre créateur. قَالُوا Tous les enfants Adam, il dit, les musulmans et les non-musulmans, tout dans sa, le monde des âmes, quand nous sommes encore dans la forme des âmes, nous tous, ils reconnaissent le créateur, Allah comme nos créateurs. C'est pour ça que quand il y a un ayat Coran, il peut lire dans l'Angleterre, il a fait un nom, il écoute un Coran, où tout le monde résonne, ce roux résonne. Quand il y a un adhan, ce roux résonne, parce qu'à l'intérieur de sa nature, sa non-musulman-là, pareil comme un musulman-là, il a sa chips, on va dire un chips, une cellule, qui, quand il naît, il vient avec sa cellule-là, qui sa cellule-là, recognition, reconnaît Allah comme son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, il finit dire ça dans le Coran. قلت لي جاء وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. Écoute bien, mon compatriote mauricien non musulman, le créateur peut dire quand Allah subhanahu wa ta'ala l'in crée Adam et l'in tire de Adam toutes ces générations, procréation, prosénération, tous ceux qui pour venir prendre des piliers jusqu'à dernier homme qui pour rester avant le jour du jugement. Ensuite, il fait ashhadahum, il fait eux faire un witness over themselves. Faisait faire une auto-testation, ça veut dire, moi testez-le moi-même, qui m'a testé, Allah pose la question, est-ce qu'ils ne m'ont pas autre créateur, moi autre robe, est-ce qu'ils m'ont mérité ibadat pour eux, nous tous, ils disent, qu'allou bala shahidna, nous témoignons qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous robe, et quand nous robe, yastalzim al-ibada li wahdi, et li tout seul mérite ibadat, au moment où tout seul nous créateur. Quand nos musulmans là, ni n'est avec ça. 30 وأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله سادة سورة 30 verset 30 آية القرآن بيجيها كي قد جمون لالي كالله ينكريدي ينكريدي avec sa recognition كي الله سرب رسول صلى الله عليه وسلم ده صحيح مسلم جيها وإني خلقت عبادي كي الله ينجيها حديث قدسي وإني خلقت عبادي حنفاء فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم كي الله ينكريد نتو حنيف قصد شي بيبي لانين يني حنيف فأتتهم الشياطين شيطان فيني فاجتالتهم عن دينهم شيطان ديفيزو ديفيزو الدين كي علن كريزو لولا ميم ليني دلا كاز مسلمان او بيان دلا كاز نو مسلمان ديجا حديث رسول صلى الله عليه وسلم ما من مولود الا يريد الفطره بين او كان نوفوني اكسبتي كي ني لو فطره فيجا لو ريكوغنيشن كي الله سو كرياتور اي دي تو سيل ميريت عبادات فابواه يهودان او ينصران او يمجساني انسويت سي سو بابا سو دو بارون كي في علي فين سوا كريتيان او بيان في علي فين جويف او بيان في علي فين ادوراتير دو في او بيان دي ايدول مي الله كان كري ساز انفونا كان لي فين دان لا تير لو دنيا. Quand l'eau se monte, quand il naît en tant qu'un musulman qui reconnaît Allah, qui soumet à Allah, et Allah crée sa nature pour qu'il les penche vers établir ibadat, adoration. Si c'est pour créateur, c'est cela environnement qui pollue sa fitra là, sa nature. Ça, c'est un contrat. Comment il casse ce contrat là? Non musulmans cassent ça contre là, et ben musulmans peuvent casser ça contre là pour désobéir Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Ça c'est un ayat Coran, nos contrats. Deuxième ayat Coran de contrat,
Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est déjà le Coran, premier ayat du Coran. Alam ahad ilaykum ya bani Adam, la surah Yasin. Allah ta'abudu shaitan. Oh, ben les enfants Adam, est-ce qu'ils m'ont pas fait un contrat avec eux? Qui contrat? Contrat surah A'raf. C'est qu'on appelle the verse of the covenant, the ayatul mithaq. Ayatul mithaq, c'est-à-dire sa ayat que Allah fait tout, ben l'âme reconnaît et témoigne contre soi-même qui créateur c'est le créateur unique Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu. Alors Allah de zou jugement les bougeons alam ahad ilaykum ya bani adam, est-ce qu'il m'a pas fait un contrat avec toi aux enfants Adam? Allah ta'budu shaytan, qui t'a pas fait adoration de shaytan, innahu lakum aduwwun mubin, yan lan mi déclaré wa an ya'buduni, établi ibadat c'est pour moi, hada sirat al mustaqim, ça c'est le chemin droit. Je m'a pas oublié qui établit ibadat point l'autre apporte Allah, il est capable d'établir ibadat pour son propre désir. Il est capable pour son argent, il est capable pour son lacard, il est capable pour sa famille, il est capable pour son business, il est capable pour son madame, ou bien pour son monsieur, ou bien pour ses enfants, ou bien pour ses parents. Alors, ibadat, nous établir adoration, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu. Alors, ça c'est contrat, ça c'est un contrat. Un autre contrat, Allah subhanahu wa ta'ala a montré qualité de ban hypocrite, ban munafiqin, dans surah Tawbah. Qui se dit وَمِنْهُمْ مَنْ آهَدَ اللَّهَ لَإِنْ آتَانَ مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ. Moi, je finis explique ça dans ben verset Coran qui te montre qualité de ben munafiqin. Qui se fait je peux faire un contrat avec Allah, je peux faire une promesse avec Allah. Qui peut dire Allah, oh Allah, si te donne moi tu ben faveur, te donne moi l'argent, te donne moi ça, moi pour dépenser dans fils sabilillah et moi pour venir un bon djoumoun. فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ. Quand Allah verse sa faveur aux autres, ils viennent avoir. Je casse sa promesse que je t'ai fait avec Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu. Ça aussi appelle ça casse contrat, casse promesse qu'il nous fait. Wa idha ahada ghadar. Et ça, c'est qualité de man munafiqin. Right? Aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, li décrire man muttaqin wal mufuna bi ahdihim idha ahadu. Dans l'ayat Coran, ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. Alors, ça c'est Oulaïka Hun Muttakun, ban qui n'a taqwa dans eux, c'est ban qui respectait ban contrat qu'ils ont fait, ban contrat qu'ils ont fait, ils ont respecté. Ça c'est une qualité parmi ban plusieurs qualités de ban Muttakin. Alors, ça dans Surah Baqara, Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu, il mentionne qui parmi ban qualité de ban Muttakin, c'est ban du monde qui respectait ce contrat. Aussi, qualité de ban Yahoud, أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. À chaque fois de faire un contrat, une partie parmi eux casse contrat. Ça c'est qualité de man juif. Et aussi qualité de man mu'minin, من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. من المؤمنين parmi man mu'min, et man rijal, man vrais hommes. Pas ban qui peut prendre ce pays pour le mettre dans l'armée juive zioniste ou bien par rapport à d'autres pays puis elle développe de façon illégale qui a l'ex sur le sol pas content. Non, pas man qui pas man individu qui peut faire man contre en bas la table. Non, pas man individu qui peut assister à l'ennemi Allah pour apaiser les choses, man qui coupe la main man du monde. Non, pas ça maintenant. Non, Allah dit walladina la yanquduna ahd Allah min al-mu'minin, je pas casse contrat qui je fais avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ici Allah dit min al-mu'minin parmi man croyant rijal et man zoum. Pas monsieur, non, il y a un homme. Il y a une différence entre Zakar ou Al-Untha, pas pareil, homme et femme, pas pareil, mais ben, le vrai homme, pas beaucoup ça. Nous disons Allah qui fait nous vivre parmi nous. Le Coran dit Min al-mu'minin, parmi man mu'min, rijal, et ben homme. Qu'est-ce que vous avez fait? Sadaqou ma'ahadullah alayhi. Je suis véridique dans le contrat qu'ils ont fait avec Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est ce contrat là ça? Contrat qui a l'un de moi, Al-Da Maurice. Allah fait contrat pour Malda Maurice, non? Puis il n'y a pas de contrat là. Contrat c'est Alastu bi Rabbikum. Contrat c'est Iqamatu Salah. Contrat c'est Shara'a lakum min ad-din ma wassa bikum Nuhan wa alladhi awhayna ilayka wa alladhi wa wassa bi Ibrahim wa Nuhan wa Ibrahim wa Musa wa Isa. Ça c'est un contrat qui dans le Coran et dans la Sunna il y a. Allah pas une cause avec moi dans la nuit pour de moi une nouvelle responsabilité qui vient dans le Coran et dans la Sunna. Faire attention.
Quand Allah peut dire minal mu'minina rijalun parmi man mu'minina man rijal, man homme, sadaqu, zut véridique, ma ahadullah alay, sur sa ban contrat, par qui je ne fais avec Allah. Qui contrat nous fait avec Allah? Ban contrat qui? Moi, hier soir, moi, tu gagnes de mon rêve? Ou ça ban contrat qui dans le Coran et dans le Sunna, il n'a pas dit là? Qui contrat? Qui ça ban contrat là ça? Allah fait un contrat, moi, par exemple, al travail imam dans masjid Saad, moi, venir, je vais me dire, mon petit ni mon engagement qui a l'un de moi pour le faire imam de Masjid Saad. C'est l'engagement là ça. Puis non, quel engagement ça? Menti, ça c'est moi qui décide ça. L'engagement qui Coran peut dire sadaqu ma'ahadullah alayhi, c'est un contrat qui nous signe avec Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalaluhu. Un contrat pour prendre la patience dans la difficulté, un contrat pour pas cause menti, un contrat qui Allah nous robe, un contrat pour implément din Allah, l'olaté Allah, un contrat pour ordonner les biens, pour empêcher les mal, un contrat pour faire mu'ala al-mu'minin, innama waliyukum Allahu alladhina amanu alladhina yuqimuna wa rasuluhu alladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakata wa hum raki'un. Ça c'est un contrat avec Allah qui est dans le Coran et dans le Sunna, pas un contrat qui m'a gagné en dit au Coran avec Sunna dans rêve. Non. Et non, il y a une cause avec nous dans le rêve, comme l'engagement nous peut prendre avec Allah. Mon gain l'engagement, il y a de sommeil. Non, on peut exister ça. C'est Iblis qui peut venir une cause avec nous. Iblis. Shaitan. Mais pas Allah subhanahu wa ta'ala, pas une cause avec personne. Quelque chose qui peut être dans le Coran et dans le Sunna après qu'il wahi in coupé, c'est-à-dire après que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam in quitte dunya in ali. Quand il dit, من المؤمنين رجال parmi من مؤمن من croyant إن من رجال صدقوا ما أهد الله عليه. Je véridique dans un contrat que je fais avec Allah subhanahu wa ta'ala jala jala. Qui ça va le contrat là ça? Mais c'est lié à l'ayat Coran qui vient juste avant. Alladhina qala lahum an-nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Allah peut dire quand Allah peut dire man dit ça tu sommes en joindre pour manger avec toi maintenant cet iman augmenté. Ça va le contrat là qui Allah peut dire dans le Coran. Par contre, Allah cause avec Asraf Janoun, j'ai besoin de faire imam de Masjid Saad. Et là, je peux remplir mon engagement qui me prend avec Allah pour me faire imam de Masjid Saad. Hein? Ça a été l'explication qui nous peut écouter là. Ça a été quelque chose qui ça oumat là pour accepter. Je peux gagner un engagement qui ne trouve dans le Coran, dans le Sunna pour prendre. Non, l'engagement, nous finit fait avec Allah subhanahu wa ta'ala quand nous sommes encore dans la forme de rouh. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ سَابِرِ سَمَنْ عُلَمَا Il appelle ça آيَةُ الْمِثَاقُ. Appelle ça qui dit le verset du covenant, the covenant verse. The verse of the covenant, ou ça, the covenant verse, le آيَةُ الْمِثَاقُ. Ça appelle ça مِثَاقُ. Et beaucoup d'ayats courants descendent des bidons là. ظَهْرَ الْفِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ ولا تكونوا من المشركين الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. Alors Allah subhanahu wa ta'ala infini mais dans le Coran et dans le Sunna qui ban l'engagement qui nous prend ban l'engagement pour vivre le halal ban l'engagement pour rester avec haram ban l'engagement pour faire da'wa ban l'engagement pour ordonner le bien ban l'engagement pour le pitié pour l'homme ban l'engagement qui nous prend dans le Coran et dans le Sunna. Pas un nouveau engagement qui m'a gagné hier soir ou ça avant-hier, quand mon pays domine dans le haram, mon a fait umrah, mon pays domine, m'a gagné un engagement pour prendre avec Allah, m'a prendre l'engagement avec Allah. Non, je m'a venu, m'a dit, m'a prendre l'engagement, il y a avec Allah. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, jala jalaluhu, il explique concernant beaucoup d'ayats Coran cause l'eau, le pacte, le contrat qu'il nous fait. Radar, il ne faudrait pas nous faire radar, il ne faudrait pas nous casser ce contrat là. Et ban contrat là, il finit expliqué dans le Coran. Et une autre qualité contrat, par exemple, on prend un contrat à la case avec un djimoun, ensuite on casse ce contrat là, on fait un contrat travail, ensuite on casse ce contrat là, on fait un contrat, on prend l'argent prêté avec un djimoun, ensuite on casse ce contrat, on prend l'argent avec djimoun, ensuite on délit l'argent à une PAD, on prend mon cause menti, on fait un contrat travail, on fait un contrat business, on fait un contrat partnership, tout ça, ban contrat là, nous pas gain droit. Et parmi ban contrat qui allait appeler mi-faire en réalité, c'est le mariage. وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ
وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Allah appelle le mariage ميثاق غليظا, veut dire un contrat qui est très 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 dur et très haut dans les yeux Allah. Vous avez fait attention, pas les saccasser. Pas à cause, comment dire, où les kia, c'est un coup là, quand on finit marié, on a trouvé un autre fille plus jolie de travail, habitué, dire où je tue, c'est un coup là, on peut commencer à tirer l'ail dans la case, faire attention, ou bien, madame là, il peut trouver, qui, comment dire, non, il trouve un autre monsieur, Michel n'a plus beaucoup casse, c'est un coup là, il peut commencer à casser la loi, Allah subhanahu wa ta'ala, jalla jalalahu, faire attention, ça aussi, c'est un contrat, le mariage, Allah, il appelle ça, mithaqan ghalidha, la surah An-Nisa. Alors, nous besoin de demander avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il protège nos cellules familiales, qui beaucoup de divorces peut augmenter, et ça aussi c'est une forme de casse-contrat, surtout s'il n'est pas basé au sharia. Alors un an de sa descente, monsieur son madame, il a responsabilité pour rendre compte à Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu, au moment où il vient la raison de coupure de sa contrat-là, et bien les autres contrats qu'il nous fait, nous devons respecter ce contrat-là, parce que Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il montre qui est le munafiqin, ne pas respecter les autres contrats, et Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il explique que c'est un parmi les qualités caractéristiques de le munafiqin, wa idha ahada ghadar, c'est arrivé d'une fin de contrat, de casse sur contrat, mais demande Allah subhanahu wa ta'ala jalla jalalu, qu'il donne nous, qu'il nous ferme dans son din, et nous vivons avec iman, nous mouons avec iman. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il pardonne tous nos mots qui sont mots, qu'Allah accepte les autres, qu'Allah pardonne les autres, et Allah tient les autres fermes dans notre qabar, et Allah subhanahu wa ta'ala fait notre qabar un jardin parmi un jardin de Jannah, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait notre rendre Jannah ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et lui donne notre la famille, la patience, et qu'Allah donne guérison à tous nos malades, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège l'Ummat Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et l'humanité contre sa balala, et qu'Allah fait un musulman retourne vers notre din, raddan jamila, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait un non-musulman retourne vers notre créateur qui vient créer autres, et établir ibadat, adoration, juste pour notre créateur unique, et dans la façon enseignée par le dernier messager qui vient envoyer vers l'humanité, c'est Rasulullah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.